Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis ravi de vous revoir et de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très très particulière. C'est la deuxième sur la Sibérie. Voilà, la première c'était l'introduction. Et là je suis rentré dans le vif du sujet puisque je me trouve justement au fameux site de Gornaya Shorya que les locaux appellent en fait Kaloum. Voilà, nous tout ce qu'on sait c'est Gornaya Shorya. Vous avez peut-être vu passer des images sur internet sur ce lieu un peu intriguant et totalement exceptionnel puisqu'il y a peu de vidéos, à part quelques photos qu'on trouve sur le net. Voilà, on trouve beaucoup plus sur les pages russes des informations sur ce lieu. Et voilà, donc je suis premier français à venir ici, Cocorico, je suis vraiment fier. Et c'est une grande première. Et les premiers, des personnes qui sont venues ici aussi, ont planté leur drapeau. Comme vous voyez derrière moi, c'est le drapeau du Kazakhstan. Voilà, donc il y a une personne du Kazakhstan qui est venue il y a quelques années et qui a installé tout un système, on va dire, de récupération d'eau. Ils ont fabriqué une sorte de serre artificielle pour les randonneurs. Et voilà, donc on a un espace, on va dire, très prisé par les touristes durant les périodes propices. Là, c'est pas vraiment la période. Pourquoi ? Il y en a quand même qui viennent, mais c'est pas vraiment la bonne période. La bonne période, c'est pour venir ici, c'est fin mai et fin octobre, je crois. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la végétation, elle est pas aussi haute, pas aussi dense, et du coup plus propice à venir, c'est plus facile, plus simple, et surtout on a moins d'insectes. Voilà, parce que là on est vraiment dans la période de merde, et il y a des temps, il y a des tiques, surtout les tiques, c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on est arrivé là, la première chose qu'on a fait, c'est que tout le monde s'est foutu à poil. Alors, moi, j'ai pas compris, ils ont tous baissé leur calbut et leur slip, hein. Vraiment sans pudeur, pour checker et se checker les uns les autres s'ils n'avaient pas des tiques. Et là, vous voyez sur mon front une saloperie qui vient de me piquer. Regardez, il y a un peu de sang. Vraiment une saloperie, je le voyais dans le reflet de la caméra. Donc c'est ça en fait. Vous êtes de la chair à banta. Vous êtes de la bouffe pour tous ces insectes. Vraiment très agressif, très affamé. Donc voilà. On va revenir sur cet endroit. Juste, regardez, il revient, il n'a pas compris. Pour revenir sur cet endroit, donc Gornaya Shorya, donc c'est toute une zone, ce sont des montagnes, hein, c'est une chaîne de massifs. Et cet endroit est un site donc. On va pas dire où on trouve des mégalithes parce que c'est très difficile, encore une fois de plus, de faire la différence entre ce qui est artificiel et naturel. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo après, on fait une sorte de visite guidée. Je vous montrerai moi ce qui me paraît être artificiel ou ce qui me paraît être naturel. Voilà, je me pose des questions, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Alors, juste pour info, on est vraiment dans la Sibérie, au sud-est de Novokouznetsk, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Et pour venir ici, il faut venir tout simplement au petit village qui s'appelle Orton. Et d'Orton, vous passez par les locaux. Alors il faut que vous soyez avec un ami qui parle russe ou un franco-russe, parce que tout seul vous n'arriverez pas. Il parle pas un mot d'anglais ici, c'est très difficile de se faire comprendre forcément. Et voilà, donc il faut venir avec un guide, quelqu'un qui connaît le lieu, qui connaît le chemin, vu que je suis probablement le premier français à venir ici, puisque c'est ce qu'ont dit les locaux. J'ai quand même pris soin de noter les coordonnées GPS exactes de cet endroit. Donc vous les trouvez en bas de cette vidéo. Vous pourrez voir sur Google Earth, peut-être étudier le lieu vu d'en haut. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on a rencontré un groupe de randonneurs qui venaient aussi. On a sympathisé avec eux et du coup, on partage ces deux jours à leur côté. Et parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Alexander Grigorychiu, et il se prétend être le découvreur de ce site. Donc c'est lui le premier qui aurait découvert ce site. Et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom. Alors j'ai mon petit, ma petite note, je vais vous le dire. Il y en a un autre qui s'appelle Georgi Sidorov, qui lui aussi prétend être le découvreur de ce site. Donc en fait, on ne sait pas qui a découvert le site, si c'est lui ou si c'est l'autre. Mais cet Alexander qui nous accompagne et que vous voyez là actuellement sur la vidéo connaît très bien le lieu. Lui, ça fait plusieurs années qu'il vient.
C'est impressionnant de le voir parce que nous, on est habillés de la tête aux pieds. Moi, j'étais complètement, on va dire, isolé. J'avais pas envie qu'une tique vienne me filer la maladie de Lyme ou quoi que ce soit. Et lui, le mec, était en short et en t-shirt. Et franchement, pour traverser cette végétation par laquelle on est passé, je peux vous dire que c'est vraiment, faut vraiment avoir du mérite et du courage. Franchement, grand respect pour ces Russes, que rien n'arrête. Voilà. Alors, ce site assez exceptionnel se présente d'une façon très particulière, tout simplement. En fait, la forme qu'il a vue du ciel ressemble à un pentagramme. Voilà, donc ça fait pas un pentagramme exact, mais il y a des points en fait importants, et quand vous les reliez, ça fait vraiment un pentagramme presque parfait. Je vais me faire encore bouffer. Et cet homme donc a passé de nombreuses années à étudier ce site. Il avait des cartes avec lui, des zones qu'il avait déjà cartographiées vues du ciel, et il m'a pas permis de prendre de photos malheureusement. Alors tout ce que vous pouvez voir là sur la vidéo, c'est que j'ai quand même réussi à faire quelques plans au drone. D'ailleurs, je remercie tous les tipeurs, tous les gens qui m'ont offert un café récemment ou même depuis l'année dernière, parce que ça m'a permis d'investir un peu d'argent dans du matériel, un micro, voilà, comme ça vous pourrez pas dire qu'on m'entend mal, et puis surtout un drone qui permet d'avoir des plans aériens, et je crois que j'ai jamais vu de plan aérien de ce lieu, donc ce sont vraiment des images uniques que je tenais à partager avec vous. Et je vous remercie vraiment tous de me soutenir, ceux qui continuent à débattre sur les vidéos que j'ai fait sur l'Inde, sur ces intrigants rochers MP. Et ben là en fait c'est vraiment la même problématique. On a des rochers empilés les uns sur les autres et on ne sait pas pourquoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'histoire du lieu, ce lieu a été fermé au public jusqu'en 1972. Voilà, c'était interdit d'accès sous Staline, et quand Staline est mort, il a fallu capitaliser et rentrer de l'argent. Donc les Américains ont investi toute cette zone pour chercher de l'or, parce que cette zone, comme en Roumanie et certaines zones très particulières, regorge en fait d'or. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toujours des lieux un peu des hauts lieux, et on trouve toujours de l'or en dessous. Mais il y a encore d'autres choses qui se passent sur cet endroit, je vous en parle après. Donc voilà, donc les Américains ont en fait capitalisé cet endroit, donc c'était interdit d'accès aux locaux. Et quand les Américains ont quitté en fait cette zone, les locaux ont enfin pu venir pour voir ce site. Enfin, ce site, ils ont découvert finalement ces structures, on va dire, de pierre qui, de prime abord, paraissent naturelles. Mais vous allez voir qu'il y a des éléments très troublants qui pourraient laisser penser qu'en fait, ce ne serait pas naturel, mais peut-être que ça serait artificiel, et peut-être que ça aurait été construit par une ancienne civilisation. Mais alors, antédiluvienne, voilà. Je ne peux pas vous donner de date. On n'a pas d'inscription ni de signe dans ces rochers. Par contre, notre guide, Alik, que vous voyez là, lui, il prétend qu'il y a des personnes de la région qui ont trouvé des rochers avec des peintures dessus et des gravures qui représentent d'étranges hommes ou d'étranges créatures, on ne sait pas, des sortes de figures anthropomorphiques. Donc voilà, donc on n'a pas découvert ce lieu, on ne sait pas où c'est, puisque l'enceinte, on va dire, de cette citadelle de pierre, parce que vu d'en haut, en fait, on a vraiment l'impression que c'est comme une sorte de forteresse, fait 15 km de circonférence. Voilà, donc c'est immense. Et il y a encore énormément de zones qui n'ont pas été découvertes. Voilà, ce site est vraiment très récent. Ça, pour les Russes, bon, ça fait une quinzaine d'années qu'ils connaissent ce site et qu'ils y viennent. Peut-être un peu plus, je dis peut-être des bêtises, mais pas plus vieux que ça. Et ça commence à s'ouvrir un peu aux touristes, on va dire, étranger, mais voilà, c'est pas facile de venir ici, c'est pas facile de trouver les coordonnées, c'est très difficile de faire des recherches sur des pages russes, donc c'est voilà. Moi, je vous donne les coordonnées. Pour venir, il faut venir de Novokousniesk, et là, vous allez en voiture jusqu'au village de Horton, qui est dans le sud-est de cette région de Sibérie. Et là, dans le petit village de Horton, il faudra trouver justement ce guide qui, moyennant 7000 roubles, alors 7000 roubles, ça fait à peu près 150 euros, vous emmènera pour 2 jours ici. Alors, c'est vrai que ça fait un peu cher, mais bon, on est 3, du coup, on partage. Je vous laisse toutes les informations en bas de la vidéo. Pour ceux qui veulent venir un jour, vous serez capable de venir de vous-même et d'admirer ce site exceptionnel et de vous faire votre propre idée. Alors, quand les locaux sont arrivés ici la première fois, donc ils ont été complètement bluffés par ces structures rocheuses, et tout de suite, il s'est formé deux écoles. L'école de ceux qui pensaient que c'était naturel et l'école de ceux qui pensaient que c'est artificiel. Et parmi ces gens-là, il y en a qui prétendent en fait que donc c'était une ancienne construction antédiluvienne,
Et on voit là, comme vous voyez, on voit cette structure de pierre qui a complètement été explosée. Et apparemment, on aurait relevé, alors je dis bien on aurait, parce que c'est toujours du conditionnel, je ne fais que rapporter les histoires locales, ce que j'entends. Encore une fois de plus, je ne prétends rien, je n'ai pas la connaissance, je suis là pour vous montrer, pour partager et vous faire vos idées après. Donc on a toute cette structure qui a été, on va dire, explosée. Et d'après certaines personnes qui ont étudié le site et certains géologues qui n'ont aucune réponse par rapport à ce site, eh bien, d'après eux, il y aurait des traces en fait de brûlures sur certaines parties du granit, comme si un canon énorme était venu tirer sur ce mur de cette enceinte et avait fait exploser toute la roche. Voilà, donc on trouve sur une zone de 500 mètres à peu près des rochers éparpillés, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une guerre ici. Alors voilà, c'est qu'une impression, je suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais c'est assez troublant. On trouve ces fameux blocs de pierre dont certains peuvent peser jusqu'à 4000 tonnes. Alors je ne sais pas si vous imaginez 4000 tonnes. Celui de Baalbek, le grand monolithe de Baalbek, lui fait 1500 tonnes. Et ici on a des blocs faisant à peu près entre 2000 et 4000 tonnes. C'est gigantesque. Ce site me rappelle vraiment étrangement Marcahuasi au Pérou, Marcahuasi que vous avez découvert en vidéo et dont j'ai beaucoup parlé sur YouTube et dans diverses interviews. On trouve des formations similaires à Marcahuasi au niveau de la pierre. On a l'impression que la pierre a été ramollie, chauffée à un moment et que quelque chose est venu creuser la pierre. On a ces sortes d'empreintes un peu comme si la pierre avait été molle et on était venu poser des empreintes de doigts dessus. C'est exactement comme ce qu'on trouve à Cusco au Pérou, et vous allez voir tout à l'heure, j'en reparle puisqu'on va sur le lieu et je vous montre ces formations rocheuses totalement exceptionnelles qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, alors je précise que bien sûr c'est du granit. Apparemment il y a plusieurs variétés de granit. Alors il y a l'école de ceux qui disent que le granit n'est pas originaire d'ici, qu'il aurait été apporté d'une autre région, et il y a d'autres qui disent que c'est un granit qui est d'ici. Alors certaines pièces de granit qu'on trouve ici sont très friables, et c'est quelque chose qu'on pourrait creuser à la main facilement sans avoir besoin d'outils. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on va vers l'entrée du site, on trouve ces blocs de pierre qui sont posés les uns contre les autres, et ce sont comme des couches, comme des niveaux de pierre horizontaux. Et quand on va un peu plus loin, du côté du nord-ouest, on trouve d'autres enceintes de pierre, d'autres remparts, mais cette fois les blocs sont posés verticalement. Et c'est ça qui est incroyable. Jusqu'à un moment, quand on visitait, je me suis dit, en fait, ici, il n'y a rien d'artificiel. Je me suis dit, merde, non, en fait, il n'y a rien d'artificiel. Et puis après, au fur et à mesure que je me baladais, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes que vous allez voir. Et là, je me suis dit quand même, merci. On a vraiment la sensation, un peu comme à MP, que ces blocs ont été posés les uns sur les autres et empilés les uns sur les autres. Et alors, il n'y a quand même pas endroit. Je vous le dis vraiment. On a vraiment l'impression, et c'est pas qu'on a l'impression, c'est que visuellement, il semblerait qu'à un moment, ces rochers été ramollis et posés les uns sur les autres, parce qu'on voit des boursouflures, et j'ai vu ces boursouflures en Roumanie, et je sais que ça existe aussi sur certains autres endroits dans le monde, et là on se dit, mais non, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas avoir la roche qui commence à se boursouffler et puis à gondoler. Donc voilà, vous allez le voir après, c'est quand même assez intriguant. Donc ce site, pour moi, il est vraiment rapporté avec Marcahuasi au Pérou, parce que c'est aussi le même phénomène énergétique qu'on trouve là. D'après Alexander, dont je vous parlais juste avant, cet endroit est un lieu sacré. Alors il y a énormément d'ovnis qui sont aperçus au-dessus de cette zone la nuit. Donc est-ce que j'en verrai un cette nuit? J'en sais rien, faut pas espérer. Mais voilà, mais tous ces sites sont toujours à rapporter avec des observations d'ovnis. Les locaux parlent aussi de rencontres avec des créatures de la région. On parle d'elfes, encore une fois de plus, voilà, de créatures du monde invisible. Donc il est certain que ce lieu a vraiment une particularité, et on va dire énergétique. Et d'après cette école de croyants qui pensent que ce site est artificiel et a été donc bâti par une ancienne civilisation, ces gens-là en fait ont relevé des mesures, ont fait des mesures et se sont rendus compte qu'il y avait des champs d'énergie très très puissants qui émanaient de certains points du site.
Et comme disait Alexander, quand on va au centre de ce pentagramme et qu'on a relié, on va dire, les différentes tours, si on peut appeler ça des tours ou plutôt des zones clés, des entrées, quand on les relie tous entre elles et qu'on va au centre de ce pentagramme, eh bien tout simplement, il prétend qu'à cet endroit-là, l'énergie est tellement puissante qu'on ne peut pas y rester et que dessus on sent mal ou il se passe des trucs. Alors on ne pourra pas y aller parce que c'est à peu près 4 km de marche et je peux vous dire que vu le terrain et vu comment c'est difficile, j'aurais pas le courage d'y aller. Donc m'en voulez pas, mais je vous invite à venir de vous-même, par vous-même pour découvrir ce site. Alors, il y a des gens qui sont venus mesurer aussi ici les radiations avec des compteurs GGR et à certains endroits, on a des pics très élevés de radioactivité et ça conforte l'école des croyants comme quoi il y aurait eu ici il y a très longtemps une guerre et qu'il y aurait eu une utilisation d'armes très puissantes qui auraient affecté la zone. Et certains parlent ici à cet endroit d'une centrale énergétique. Cet endroit, comme tant d'autres de par le monde, pourrait tout simplement être une sorte de pilier, un pilier énergétique, porteur d'une énergie qui maintient ou qui permet un certain équilibre, certaines forces dans ce monde. Alors voilà, c'est que des suppositions, il n'y a pas d'affirmation, encore une fois de plus, on ne peut rien prouver. Je ne fais que vous rapporter vraiment ce qui est dit, les légendes locales et les mythes. Moi personnellement, je suis venu avec un compteur GGR. On m'a prêté, merci Abdo pour ton compteur GGR en passant. J'ai mesuré les radiations hier depuis le village, on était vraiment en dessous de la normale et ici on a quand même un pic un peu plus élevé, voilà, c'est pas énorme, on est toujours en dessous de la normale, mais on a une différence vraiment significative par rapport aux mesures qu'on y relève. Alors pourtant on est vraiment au milieu de nulle part, ça peut venir peut-être des sous-sols, il peut peut-être y avoir de l'uranium ou je sais pas, des pierres radioactives, hein, ça, comme ça peut arriver, ou je sais pas, ou c'est peut-être les champs d'énergie tellurique, voilà. Donc un site vraiment exceptionnel et je suis très content d'être venu ici. Ça a été dur, mais ça valait vraiment le détour. Et je vous conseille, si vous passez par la Sibérie, de venir sur ce site. On a quand même des choses qui laissent à réfléchir. Vraiment, moi j'ai envie de tirer du côté de l'artificiel quand je vois ce site. Parce que parfois, entre certains blocs de pierre empilés les uns sur les autres, on a une sorte, je dis bien, de ciment, de mortier. Qui est entre ces blocs, comme vous allez le voir, et voilà, et c'est Max qui me l'a signalé. Et encore une fois de plus, c'est très intéressant. Donc, ces petits détails ajoutés les uns à côté des autres laissent penser que bah, peut-être finalement cet endroit a été il y a très longtemps le lieu d'un culte, un temple ou du moins créé par une ancienne civilisation. Voilà, les friends. Je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse. On continue la visite et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, là les fans, on est sur une nouvelle partie de Gornaya Shorya que je trouve très intrigante. Et moi, cet endroit, ça me rappelle un peu Hampi en Inde. Alors, je vais m'expliquer. On a ce rocher là que vous voyez, qui est un petit peu suspendu là sur l'autre. Et il y a ces sortes d'autres blocs en dessous qui semblent le tenir. Alors voilà, c'est pareil, la question que je me pose quand je suis face à ce genre de rocher, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ou c'est, on va dire, quelque chose qui aurait pu être placé ainsi. Voilà, j'ai pas la réponse. Toujours est-il qu'en fait, en dessous, alors je sais pas si on verra bien, on voit des sortes de marques. Alors c'est très friable, hein, c'est une sorte de mélange de granit. Et on retrouve un peu ces sortes de roches creusées comme au Pérou à Marcahuasi. Alors ce que je voulais vous montrer, qui est très très intéressant, c'est qu'ici on a un trou. Donc voilà, donc les locaux disent que c'est naturel, que c'est l'eau qui l'a creusé, l'eau de la pluie. Et l'eau de la pluie en fait est venue se déverser là-dedans, un peu comme une sorte de fontaine. C'est venu couler en dessous sur celui qui suit là. Voilà, et si on continue, le tracé continue là, regardez. Voilà, donc là ça continue, donc l'eau elle a constamment continué à couler un peu comme une rivière. Et là on a encore cette forme ici et ça continue plus bas. Et puis on suppose qu'il y a peut-être d'autres endroits plus loin où on a cette formation. Donc en fait on refait le chemin inverse, regardez. Donc ça part de là, notre petite eau elle coule. Bien sûr si c'est de l'eau qui l'a officiellement creusée. Voilà, ça coule là, ça descend ici. Ça continue ici et ça continue plus bas.
Moi, je suis OK avec cette idée que les locaux disent, enfin, prétendent plutôt, mais ce que je veux savoir, c'est comment en fait l'eau. Alors après, j'ai pas la réponse, hein. Je pose une question, je suis pas en train de faire des affirmations ou des suppositions à 10 balles. Moi, je veux qu'on m'explique, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour m'aider à comprendre des choses que je connais pas. Moi, je veux savoir comment l'eau, elle peut continuer constamment au même endroit, sachant qu'il n'y a pas de robinet au-dessus, quoi. Voilà, donc ok, l'eau de la pluie, moi je veux bien, mais ça veut dire que l'eau de la pluie, elle a artificiellement creusé ce rocher et puis continué de creuser ça comme ça. Voilà, l'eau elle tombe de façon, je veux dire, uniforme. Elle coule pas à un endroit, je veux dire, pour que l'eau, on ait ces trous là comme ça. Il faudrait qu'on ait une source d'eau, comme une sorte de source qui vienne en fait creuser ce rocher. Mais là le problème c'est que... Le problème, c'est qu'on n'a rien au-dessus, quoi. On n'a pas de montagne, on n'a rien. Donc comment ces rochers ont été creusés par l'eau, si on part du fait que quand il pleut, bah, en fait, il pleut de façon uniforme et pas à un endroit précis. Donc pourquoi est-ce que ça a été creusé ainsi? Donc est-ce qu'on doit avoir là quelque chose de naturel? Ou alors, est-ce qu'on pourrait supposer qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel? Peut-être creusé par les locaux, je sais pas, pour récupérer l'eau de pluie, ce sera amusé à creuser les rochers pour peut-être la récupérer en bas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, cet endroit est très intéressant, et si on écoute la version des locaux, c'est toujours la même histoire, c'est non, c'est la pluie qui l'a fait. Ok, mais bon, après peut-être qu'il y a eu une intervention pour poser ces rochers, parce que moi, ces rochers, il me paraît pas vraiment posé de façon naturelle, ni on va dire par le Saint-Esprit, quoi. Je pense que quelque part, il y a eu une intervention pour qu'il trouve son équilibre comme ça et qu'il soit bien positionné et que l'eau elle coule bien, enfin voilà. On va continuer la balade, mais c'est plein de choses comme ça. Alors là on a en fait encore une nouvelle curiosité de ce site. Voilà, la dernière fois que j'ai vu des arbres pousser sur des rochers, c'était en Corvat. Alors bien sûr c'est panique, hein, il devait y en avoir partout ailleurs dans le monde. Mais ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces sortes de paliers de roche, comme des niveaux. Voilà, regardez ça. Regardez comme la nature elle fait bien les choses quand même. Ça peut être parfois très très étonnant, comme on l'avait déjà vu à MP. Encore une fois, voilà, encore une fois, je suis pas expert. Je veux juste savoir si c'est quelque chose qui est naturel ou pas. Voilà, on est toujours entre le naturel et l'artificiel. On sait pas trop finalement, quoi. Et d'un côté, on se demande comment ça pourrait être artificiel, comment on aurait pu empiler ces blocs énormes les uns sur les autres. Voilà, il n'y a aucune, y a rien qui permet de nous le confirmer. Après, des géologues peut-être connaissent ce phénomène, peut-être qu'il y a des explications claires. Et là, vraiment, moi, j'avais jamais vu des paliers de rochers comme ça, vraiment, qui plus est, dans une certaine uniformité, les uns sur les autres. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et, voilà. Et là, si on regarde le rocher vraiment du dessus, le plus gros, il est assez plat en fait sur le dessous. Voilà. Vous allez me dire, il est aussi plat que les autres. Pas moins, pas plus. Bon, je sais pas si on va bien le voir, parce que je suis un peu en contre-jour. Voilà, là on le voit bien. Voilà. On dirait qu'il est prêt à tomber, qu'il va nous tomber dessus d'un instant à l'autre. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, bien plat. Et donc on a ces fameux paliers. Voilà. C'est assez incroyable. Voilà. Un géologue, s'il vous plaît, please, vite. Alors là, il y a encore un élément très très intéressant que m'a fait remarquer Max, parce que je l'aurais pas forcément fait attention. Entre les différents rochers, les différents paliers, on peut voir une sorte de ciment. Voilà, quelque chose qui est venu consolider la roche à ce niveau-là. Voilà, regardez. Ça ressemble à une sorte de ciment. Et on a cette régularité à ce niveau-là. Voilà. On dirait que c'est ce qui vient vraiment... c'est ce qui joint les blocs. Voilà, et on retrouve ça partout. Alors, serait-ce un autre élément qui pourrait nous laisser penser que c'est artificiel? Peut-être. Je sais pas. J'ai pas la réponse. Là, il y a encore un truc qui est bizarre. Sur un pan en fait de ces rochers, regardez ce qu'on voit. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de forme et de formation. Là, on voit clairement qu'il y a eu une très haute température ici.
que cette température a fait fondre et ramollir les rochers. Là clairement, hein, c'est vraiment, ça nous évoque un peu la lave quand elle se refroidit. Là on a vraiment ces boursouflures, ces sortes de boudins si je puis dire, de roches. Et ça pour moi ça veut dire une seule chose, c'est que la roche a été fondue. Ou du moins il y a eu une très très forte température ici. On voit un peu en dessous aussi, regardez, c'est assez étrange, c'est ces sortes de trous, comme si on avait retiré des parties de ces rochers à la main. Encore une fois de plus, ça me fait penser au Pérou, à Marcaoui, ou même sur certains sites comme Silustani, on trouve aussi ce genre de trous, mais vraiment de pas de trous, c'est pas vraiment un trou, comment on pourrait appeler ça? Voilà, une déformation, on est venu retirer une partie de la roche quand celle-ci était peut-être, voilà encore une fois plus on est dans les probabilités, hein, dans les suggestions, peut-être très très chaude à une époque, je sais pas, j'ai pas l'explication, mais moi j'ai jamais vu des rochers comme ça, regardez, c'est complètement le bordel, voilà, j'ai pas d'explication. Vous êtes d'accord avec moi quand même? On voit que ça a été ramolli. C'est ramolli, on dirait que c'est de la pâte à modeler, que ça s'est solidifié et qu'à un moment c'était mou quoi. Voilà. Franchement, je vous laisse vous faire votre propre idée. Moi j'en ai pas. Ok les friends, alors. Là j'ai peut-être trouvé un élément qui pourrait faire pencher la balance du côté du. Pas naturel et plutôt de l'artificiel. Pourquoi ? Regardez ça. Regardez déjà le support sur lequel repose ce rocher. Alors je sais pas si on le voit bien. Et regardez comment ça remonte ici. Et on voit bien qu'en fait la partie de droite a été en fait travaillée pour épouser le rocher qui est au-dessus en fait, celui de gauche. Voilà, donc là pour moi c'est vraiment pas naturel. Enfin ça peut pas être naturel, regardez comment les blocs sont agencés quoi. Voilà. Alors là je me fais bouffer par les moustiques, je peux pas rester trop longtemps, c'est horrible. Je pense que vous entendez sur la vidéo. La Sibérie c'est un enfer, je le redis. Là je fais le tour pour qu'on se rapproche un peu de ce que j'étais en train de vous montrer. Voilà, regardez ça. Regardez cette petite beauté. Ferme la bouche. Voilà, regardez. Regardez ici, hop. Alors je vais retirer le cache. Ça va voir plus clair. Voilà. Regardez ça. Tac, 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 tac. C'est vraiment. Tout est vraiment bien taillé. Regardez ça. Vous voyez le petit décroché là en bas avec cette petite courbe. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas naturel. Sous cette. Derrière en fait ce mur de roche, on a une sorte de passage un peu étroit. Voilà, on a l'impression que tout a été fait ainsi. Une sorte de petit couloir, comme vous pouvez le voir. Voilà, on voit qu'il y a des blocs un peu ici qui m'ont l'air un petit peu, qui n'ont pas l'air très naturels, qui ont l'air d'avoir été taillés. Et alors là, on a un étroit passage. Voilà, et là, quand on regarde à l'intérieur. Voilà, à vous de vous faire votre idée. Ça me paraît quand même assez, assez intriguant. J'ai du mal à croire que ce soit quelque chose de naturel là. Ah, j'ai plutôt l'impression qu'on est venu les poser comme ça, ces petits blocs de pierre. Hein. Plutôt ces gros blocs de pierre. Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur la Sibérie. Nous irons à Chira où vous découvrirez un pavement de grès rouge qui semble avoir été aménagé sur les rives d'un étrange lac d'eau salée qui n'est pas sans rappeler celui du lac Titicaca au Pérou. D'autres anomalies encore pourraient témoigner du passage d'une ancienne civilisation. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. On voit clairement des sortes de dalles. On voit qu'elles ont été posées, on voit qu'elles ont été découpées. Je suis époustouflé. On a vraiment une découpe parfaite, quoi. Regardez ça. Regardez comment c'est incroyable. Il faut se rendre à l'évidence, il y a quelque chose ici, il s'est passé quelque chose.